Il y a des acteurs qui nous fascinent. Peut-être simplement par leur manière de jouer, par leur mentalité, par leur personnalité, par leur charisme, par leur beauté parfois. Mais il y a des acteurs, je pense pour tous, pour lesquels on a un affect particulier et qu'on aime voir parfois grandir ou évoluer au sein du cinéma ou au sein de la vie réelle. Ces acteurs deviennent pour certains des modèles, des personnalités auxquelles ils s'attachent profondément et auxquelles ils choisissent non seulement de rattacher une partie de leur mentalité et de leur manière de voir les choses ou le monde, mais peut-être simplement parce que l'on aime la manière et le geste avec lequel ils adorent nous transporter en dehors de la réalité pour nous laisser nous évader justement dans leur réalité. C'est en cela que l'on aime les laisser nous duper, nous berner, se faire passer pour des gens qu'ils ne sont pas, pour des personnages qu'ils ne veulent pas coller au centimètre près, mais simplement nous donner une nouvelle manière de voir l'humain. De manière décalée, de manière crédible, de manière intense ou simplement pure, mais avant tout, avec toujours cette optique profonde de ne pas simplement jouer, mais de croire, la plupart du temps en tout cas, à ce qu'ils jouent. C'est cela le grand talent des acteurs, mais je pense que je ne vous apprends rien en disant cela. Et il y en a un que j'aime, que j'adore, et auquel je me rattache profondément. Un acteur américain qui me fascine depuis longtemps, pas uniquement par sa posture particulière au cœur de ma vie personnelle, mais surtout parce qu'il a une manière assez géniale et complètement iconoclaste d'avoir géré une carrière aussi chaotique que finalement très logique par de nombreux aspects, oscillant entre l'acteur de renom et le personnage fantasque d'un Hollywood lointain, mais indéniablement, Nicolas Cage est un acteur unique en son genre. Unique pour la simple et bonne raison qu'aucun acteur ne fait du cinéma comme lui. Unique parce que peu importe ce qu'il touche ou ce qu'il porte en tant qu'acteur, il en fait quelque chose de singulier et quelque chose de surprenant. Unique parce que bien au-delà de réussir à composer avec un Hollywood qui semble constamment vouloir le pousser loin, il a toujours su garder un punch et une énergie contagieuse qui fait de chacun de ses mouvements de bravoure d'acting un instant fantasque et difficile à ranger dans une case, le rendant aussi imprévisible que finalement génial pour les spectateurs. Cela vient de beaucoup de choses, et bien évidemment vous vous en doutez, on va essayer de le découvrir ici. Nicolas Cage a clairement commencé à faire du cinéma dans les années 80, et depuis, il n'a jamais cessé de le faire. Que ce soit à l'époque où il était tout de même bien mis en avant par son oncle Francis Ford Coppola, ou que ce soit aujourd'hui où il tente des introspections étranges ou des œuvres éclatées avec des cinéastes japonais, Nicolas Cage n'arrête pas de vouloir nous emporter dans ses performances au cœur d'un cinéma qu'il a envie de porter, qu'il a envie de rendre attrayant, que ce soit au début de sa carrière ou aujourd'hui. Même si l'on peut vivement critiquer sa manière de concevoir et de jouer ses personnages, on ne peut enlever à Nicolas Cage cet immense respect à la fois pour son temps, à la fois pour ceux qui le portent, mais aussi pour ceux qui aiment le voir se plier en quatre pour développer des scénarios tantôt déjantés, tantôt simplement loufoques, tantôt très sérieux, pour lui servir lorsque la caméra se mettra à tourner, que ce soit en 35 mm ou en digital comme c'est le cas aujourd'hui. Alors prenons deux exemples très éloignés dans le temps, mais parvenant à magnifiquement cristalliser sa passion pour le cinéma. Prenons deux exemples lointains, mais qui témoignent, à mes yeux, de l'engagement de Cage à porter une œuvre le plus loin possible. Arizona Junior est une comédie souvent sous-cotée dans la filmographie des frères Coen. Et pourtant, c'est une œuvre qui cristallise dans sa jeunesse à quel point Cage aimait faire du cinéma et porter un sujet ou une forme cinématographique ambitieuse dans une direction folle et clairement ici, il se plie en quatre pour Joel et Ethan Coen, au point d'être confondant de justesse et de brio dans l'interprétation de ce pseudo-père excentrique et débile qui part en cacahuète avec son enfant dans les bras. Et récemment, dans un genre radicalement opposé, Cage a offert l'interprétation de Rob dans Pig, une œuvre reconnue comme une renaissance complète de l'acteur, l'ayant bien remis sur le devant de la scène, même si Joe avait déjà bien initié cela, mais au cœur de laquelle il brille, il illumine le cadre d'une interprétation sobre, mais surtout passionnée par l'ambiguïté et la fougue d'un héros faisant face à son passé. Pour moi, c'est cela qui rend son interprétation magnifique, mais surtout, ce lien entre ces deux œuvres montre son besoin de se donner corps et âme pour un sujet. Et c'est cela pour moi qu'il fait que, encore aujourd'hui, il a réussi à perdurer dans le temps. Ce qui est assez génial avec Nicolas Cage, c'est que malgré le temps, malgré les époques, malgré l'évolution du cinéma, malgré même une certaine période où il avait tendance à jouer un peu en demi-teinte, eh ben tout le monde se l'arrache. Que ce soit dans les années 80, 90, 2000 ou 2010, tout le monde voulait jouer avec ou diriger Nicolas Cage. Que ce soit simplement le temps d'une scène, le temps d'un petit fragment de jeu, ou simplement tout le long d'un moment de cinéma où l'on savait pertinemment qu'il allait réussir à nous emporter dans un personnage qu'il saurait dominer et possiblement rendre attachant, voire fascinant. Tous les réalisateurs le voulaient.
Et encore aujourd'hui, même si ce sont parfois des cinéastes un peu plus indépendants ou carrément complètement inconnus, encore beaucoup de ses auteurs le désirent, et lui aussi les désire en échange. Et en ce sens, je pense profondément qu'il est un homme humble et surtout, prêt à se dévouer corps et âme pour un cinéaste donnant la sensation qu'il ne joue pas uniquement pour lui, mais aussi pour les autres, afin de porter leur message et leur passion du 7ème art. Et cela, encore une fois, on peut le prouver avec deux projets très ambitieux mais diamétralement opposés dans lesquels Nicolas Cage s'est parfaitement retrouvé. Que ce soit de manière intime ou de manière fantasque, Cage a tourné avec les plus grands de manière grandiose. Si l'on prend Sailor et Lula de David Lynch, Cage se plie en quatre pour porter un personnage fascinant et envoûtant au cœur d'une œuvre souvent méconnue de la filmographie de David Lynch, mais dans laquelle il est magnétique avec la démentielle Laura Dern à ses côtés pour une œuvre qui remportera la Palme d'Or avec les critiques qui vont avec, mais où sa performance fut saluée. Et dans un genre plus fou, son interprétation double de Volte-face de John Woo, grand metteur en scène d'action des années 90, montre à quel point il est capable de porter un personnage dans un sens comme dans l'autre. Et ici, le fait qu'il campe un antagoniste fantasque et loufoque au début du film pour ensuite devenir le héros et être attachant et émouvant, même par instant, rend ce moment de jeu tout simplement merveilleux à voir. Et personnellement, c'est peut-être, je trouve, l'une de ses plus belles interprétations à ce jour. C'est un immense acteur qui a su rendre extrêmement fiers même les plus grands. Nicolas Cage n'a jamais été un acteur qu'on pouvait mettre dans une case, et cela, il l'a toujours assumé. Peu importe l'époque, peu importe le contexte cinématographique, peu importe les méthodes de jeu qu'il utilisait, il a toujours défendu le cinéma comme le cinéma était. Sans filtre, sans forcément avoir de logique ou de plan pour l'acteur ou pour ses créateurs, mais simplement une envie profonde de vouloir embarquer le spectateur avec lui dans des univers variés, aussi bien le divertissement pur et dur que le cinéma indépendant. Il suffit de traverser et de regarder les auteurs avec lesquels il a joué, les acteurs avec lesquels il a partagé l'affiche ou les productions dans lesquelles il a choisi de donner ses traits. Nicolas Cage n'a jamais voulu appartenir à une case ou à une seule manière de concevoir le cinéma. Et en ce sens, même si l'on peut parfois avoir envie de le juger sur la place publique pour des choix de carrière bizarres, il en ressort une forme de fascination autour non seulement de ce qu'il a donné au cinéma, mais aussi de ce qu'il a voulu laisser derrière lui. Et cela, on peut le voir au travers de deux productions qui sont quasiment sorties dans le même laps de temps. En 2010, mais il y a plein d'autres exemples, mais ceci me semble fascinant, Nicolas Cage a fait deux films radicalement opposés avec deux méthodes de jeu lointaines, mais une envie de passer d'un cinéma à un autre avec une aisance folle. D'un côté, avec l'aide de Werner Herzog, il nous emporte dans une intrigue policière au cœur de la Nouvelle-Orléans avec un bad lieutenant, faisant forcément écho au cinéma d'Abel Ferrara, pour une œuvre déconcertante mais au sein de laquelle Nicolas Cage souhaite aborder une facette complexe et ambiguë avec un personnage qui le rend aussi fascinant que détestable pour une interprétation subtile et élégante. Et dans le même temps, avec un de ses grands comparses, John Turteltaub, il nous offre L'Apprenti Sorcier, un énorme blockbuster souhaitant surfer sur une vague magico-fantastique de la même veine qu'Eragon ou Harry Potter, pour une œuvre biscornue et assez étrange, mais dans laquelle Nicolas Cage brille par un jeu déjanté et allumé, dans la même veine que les Benjamin Gates, mais avec la même passion profonde pour le délire d'un personnage qu'il rend charismatique. Il aime le cinéma, et il aime sa forme, peu importe les auteurs aux commandes, peu importe les producteurs, peu importe le sujet. Je ne vais clairement pas vous l'apprendre ici, mais personne ne joue comme Nicolas Cage. Personne ne pourrait, personne ne devrait, et personne n'y arrivera comme lui. Au fil du temps, cela l'a rendu clairement célèbre, et il en est devenu un objet de pure moquerie sur internet avant d'acquérir une réelle notoriété par des possibilités de découverte et de passion pour sa filmographie indéniable. Qu'il soit déguisé en ours fouteur de patates dans The Wicker Man, ou tout simplement accro aux instants de flottement loufoque et abusif dans Ghost Rider, Nicolas Cage a toujours aimé en faire des caisses, et il est impossible de ne pas être réceptif à une telle manière de jouer lorsque l'on est un amateur de cinéma. Nicolas Cage ne peut pas faire dans la demi-mesure. Comme un Willem Dafoe ne peut pas être subtil lorsqu'il joue au méchant dans des longs métrages lui servant d'instant de fantaisie, d'acting. Et c'est cela qui rend ses interprétations légendaires, parfois même encore plus légendaires que le simple objet cinématographique en lui-même. Et cela, deux exemples merveilleux le prouvent, éloignés tout de même de pile poil 40 ans. Car oui, ce n'est pas récemment que Nicolas Cage a confirmé qu'il savait jouer avec excès, mais tout du long de sa carrière. En 1988, Robert Bierman lui offre le rôle de Peter, un agent littéraire persuadé de devenir un vampire qui va sombrer dans une folie indécente et géniale que Nicolas Cage sublime par une interprétation connue de tous, tant les mèmes et autres gifs autour de ses compositions de jeu dans cette œuvre ont fait de lui une légende à l'état pur, un acteur démentiel capable d'en faire des caisses accompagné d'une tête tout simplement à toute épreuve face à une caméra. Si le long métrage est trop long,
on ne veut pas voir Nicolas Cage quitter l'écran pour autant. Et dernièrement, en 2018, Panos Cosmatos lui a offert un écran de velours cosmique teinté de néon au cœur d'un Mandy où Nicolas Cage passe par tous les stades, offrant des instants d'émotion à fleur de peau et des séquences en slip bourrées à la vodka déjantées, le tout ponctué par des têtes au volant d'une voiture tout simplement unique dans leur genre. Si le film n'est pas fou, son interprétation est magnifique et tout simplement divine. Acteur lunaire, défoncé ou complètement au-dessus de nous, ça reste encore une grande question et je pense que personne n'aura jamais la réponse. Et du coup, pourquoi j'aime Nicolas Cage, me direz-vous? Tout simplement parce qu'il représente ce qu'un acteur peut avoir de pire comme de meilleur, dans une forme excessive. Car si ici je vous ai évoqué les bons aspects, Nicolas Cage s'était également perdu au cœur d'œuvre où il ne pouvait pleinement s'exprimer, parvenant à des interprétations en demi-teinte, souvent difficiles à accepter et rendant presque triste son passage devant la caméra. Mais malgré tout cela, il n'a jamais cessé de me fasciner, de me pousser à voir plus loin que la surface de son jeu. C'est pour cela que je l'aime, que je le trouve fou, que je le trouve jouissif, jubilatoire, amusant, excessif, bref, qu'il est pour moi l'acteur hollywoodien dans ses plus grands excès, dans ses plus belles désinventures, dans ses plus grands moments de fantasquerie. C'est un acteur de renom, un type qui semble passionnant et intéressant lorsque l'on écoute. C'est un homme qui me fascine, et c'est pour toutes ces raisons, et encore mille autres, que j'aime, et que j'aimerai toujours Nicolas Cage.